Ce n'est pas une institution de l'Église. Le lundi de Pâques, c'est un jour qui a été gracieusement accordé à tout chrétien ou non chrétien pour justement se reposer après ces grands événements vécus durant la Semaine Sainte, pour que on puisse quand même refaire nos forces, reprendre nos forces pour amorcer la semaine d'après Pâques. Donc, ce n'est pas pour autant une institution chrétienne, mais dans l'Église catholique, nous essayons de capitaliser, de mettre à profit ce jour-là pour organiser ce qu'on appelle la Galilée, par exemple, où les différents mouvements des paroisses peuvent sortir pour aller en Galilée. Vous savez, à la résurrection, Jésus disait à ses apôtres, je vous précède en Galilée. Donc, les chrétiens également sortent de leur cadre de vie ordinaire, sortent de leur paroisse pour aller en Galilée, c'est-à-dire pour aller vers un autre lieu où le Christ les attend, pour donc vivre des activités spirituelles. Il y a les enfants qui font la Galilée, il y a également les groupes, différents groupes, différents mouvements de nos paroisses qui sortent, et peut-être toute la paroisse aussi peut sortir pour aller en Galilée, c'est-à-dire sortir de son cadre ordinaire pour aller célébrer cette résurrection de Jésus-Christ.